Félicitations, madame. Vous venez d'avoir une fille. Vous avez pensé au prénom ? Oui, je vais l'appeler Jenna. Elle est trop mignonne, Jenna. Bienvenue dans ce monde. J'espère que tu feras quelque chose de bien. Je t'aime déjà. Je suis policière. Et toi ? Tu es ma fille. On va bien s'entendre. J'en suis sûre. Oh, tu es tellement belle, tellement mignonne. On bouge plus. Alors, elle est où ? On bouge plus ! Hein ? Quoi ? Mais vous êtes qui ? Je suis Jean, le criminel. Tu voulais me chercher. Donc voilà, tu m'as trouvé. Non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Jean. Non, là c'est trop tard. Tu pensais que j'étais un assassin ? Alors oui, tu avais raison. Mais maintenant, je suis devenu un hacker. Donne-moi ce bébé. Alors là, jamais de la vie. Donc, tu peux dire au revoir. Hein ? Quoi ? Mais comment ça ? Non ! Voilà, c'est bon. Elle est morte. On y va. Allez, viens, ne parle pas. On y va. Enfin, ça, c'est fait. Jenna, le petit déjeuner est prêt? Oui, papa, j'arrive. Alors, ça y est, je suis bien pour mon premier jour de l'école? Bien sûr. Attends, laisse-moi voir. T'as mis quelle tenue? Celle que je t'ai achetée hier? Oui, papa. Attention, j'ai économisé pas mal pour t'acheter cette tenue. J'espère qu'elle te plaît. Bah, c'est toi qui me l'as achetée. Si elle te plaît, elle me plaît. Super. C'est ce que je voulais entendre. Allez, mange, ensuite on y va à l'école. Très bien, papa. Des pancakes. J'adore les pancakes. Oui, je sais. Bon, la prochaine fois, je vais t'apprendre à les faire seule, ces pancakes. Ils sont pas si compliqués. Cool. Allez, c'est parti. On y va. Alors, Jenna, avant de partir à l'école, je veux te dire quelque chose d'important. Maintenant, tu as 12 ans. Si jamais quelqu'un t'embête, tu le tapes, tout court. Hein ? Mais papa, c'est pas bien de taper, non ? Oh là là, tu comprendras. C'est bien. Allez, fais ce que tu veux. Va travailler pour devenir riche. Hein ? Mais papa ! Oh, allez, vas-y. Je dois partir bosser. À plus ! Oui, bisous, papa. Trop bizarre, papa, qu'on n'a pas besoin de taper. Oh là là, je préfère vivre tout seul qu'avec cet enfant. Mais j'ai pas eu le choix. Je devais bien la garder en vie pour me venger d'elle et de sa mère. Elles m'ont pourri la vie. C'est à mon tour de leur pourrir la vie. T'es nulle, Jenna. Hein ? Quoi ? Non, je suis pas nulle. Si, toute la classe sait que tu es nulle. On te déteste. Non, c'est faux. Je ne suis pas nulle. C'est toi, Amandine. Tu es méchante. Tu sais que c'est pas bien d'harceler ? Et alors ? Je fais ce que je veux. T'as pas à me donner des ordres. Personne ne t'aime. Non, c'est faux. J'ai envie de t'écraser. Mais c'est méchant. Bon, je t'écrase demain. Là, j'ai pas le temps. Je dois aller harceler quelqu'un d'autre. Ah, la prof, elle me donne trop de devoirs. Jenna ? Jenna, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est encore... Amandine. Oh non, c'est Amandine. Elle m'a harcelée aussi hier. C'est pas juste. Pourquoi elle fait ça? Elle nous embête. Je sais pas. Je suis désolée, Jenna. J'étais pas là. C'est pas grave. Heureusement que tu n'étais pas là. Mais heureusement que tu es là. Maintenant. Oui, tout va bien se passer. N'aie pas peur. Non, j'ai pas peur. Juste, j'essaie de faire les choses bien. Et il y a toujours des méchants dans ce monde. Le monde est comme ça, Jenna. Tu verras. Quand tu vas grandir, tu seras bien. Tu seras très aimée. J'espère. Mais j'ai quand même peur de ma vie. Ouh, trop contente. Je sors avec Bastien. C'est mon amoureux. On est ensemble depuis un mois. Et là, j'ai rendez-vous avec lui. Allez, c'est parti. D'abord, on y va à l'école. C'est important l'école. Bastien, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Léa. Mais moi, je t'aime plus. Hein ? Quoi ? Léa et Bastien, ensemble ? Oh non, regarde, il y a Jenna derrière. Elle est là ? Oh, Jenna, c'est pas ce que tu crois. Je suis désolée. Jenna, oui, je suis désolée. Je me sens trahie. C'est pas possible. Ma BFF sort avec Bastien. Je suis désolée, tout est passé si rapidement. Non, tu l'as fait exprès. Je te déteste. Non, Jenna, attends. Léa, fais vite, on va camper. Oui,
J'arrive. Bon, bah c'est bon, je crois que j'ai tout pour camper. Allez, c'est parti, je suis là, on peut y aller. Enfin, Léa, on va bien s'amuser. J'espère, c'est la première fois que je campe avec toi. C'est cool! J'aime bien cet endroit. Oui, moi aussi, ce sera idéal pour camper. Mais cette cabane, elle me fait un petit peu peur. T'inquiète, elle est abandonnée. Ok, si tu le dis. La nuit tombe déjà, oh là là. Oui, ici c'est un petit peu magique. Bon, bah, est-ce que t'as du bois? Il faut aller chercher du bois. Oh, mais c'est vrai, on doit faire du feu. Bah oui, allez Bastien. Ok, vas-y. Allez, on cherche, on va certainement trouver du bois. Vas-y, je cherche de ce côté. Ok, alors, du bois. Ah, vous êtes qui? Non! Ah, c'est quoi ce bruit? Léa? T'es là? Léa? Léa? Mais t'es partie où? Y'a personne ici. Léa? Qu'est-ce que me dit le journal? Quoi? Il y a une fille au nom de Léa disparue? C'est son copain, Bastien, qui était avec elle, hier soir. Qui a pu faire ça? Je comprends pas. Trop bizarre. J'ai aucune idée. J'étais pas au courant de tout ça. Oh non. Et dire que Léa était ma meilleure amie. Il faut que je fasse quelque chose, non? Ah, papa est là. Bonjour, papa. Bonjour, tu as bien dormi? Oui, papa, ça va. Papa, tu étais parti où? Oh, j'avais du travail, c'est tout. Et toi alors? Tu vas reprendre tes études ou pas? Non, papa, c'est bon, j'arrête. Après ce qui s'est passé avec ma meilleure amie, j'arrête. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a disparu. Ah bah, c'est le karma. Elle était méchante avec toi, donc elle a disparu. Oui, mais quand même, c'est pas une raison. Oh, t'inquiète, il y a pas mal de raisons. Bon, je vais me doucher. À plus! Oui, à plus, papa. Ah, en fait, une chose, Jenna. Oui, papa. N'ouvre pas la porte du couloir. Il y a pas mal de matériel ancien dangereux. Donc, si tu touches, tu risques d'être contaminé. D'accord, papa. J'y toucherai pas. Super. Allez. D'accord. Bon, ça doit être son matériel bizarre, comme d'habitude. Mais moi, j'arrive pas à croire. Ma meilleure amie, enfin, ex-meilleure amie Léa, a disparu. Mais comment? Elle qui fait attention à tout? Je comprends pas. Comment elle a pu disparaître, ma meilleure amie? Je stresse. Et Bastien, le pauvre. Ok, j'ai détesté les deux personnes depuis plusieurs années, mais c'était pas une raison. J'espère que tout va bien. Tiens, mon père, il dort pas? Alors, voilà, c'est bon. Maintenant, je peux tuer Léa. Le prochain sera Bastien. Ils ont embêté Jenna. Et Jenna va se venger. Oh non, papa. Qui est là? Oh non, papa, c'est pas possible. Ah, ça va, elle dort. J'ai eu peur. Ça veut dire que mon papa est un criminel? Et un hacker, il va hacker le compte de Bastien et ensuite il va le kidnapper. Oh non, il faut que je retrouve Léa. Ça veut dire le placard en bas. C'est Léa. Vite, il faut que j'aille voir. Léa? Jenna, pardonne-moi, c'est ton père. C'est le hacker. Ton père. Je vais t'apprendre un truc, mais ton père a tué ta mère. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Ton père est l'assassin de ta mère. Heureusement que t'es là. Je veux partir d'ici. Je suis désolée, Jenna. Fais quelque chose. Moi, j'y vais. Salut, Jenna. J'ai trop peur. Pour moi et pour toi. Vite! Mon père est donc un monstre, le criminel qui a été le plus recherché sur Bourkhaven. Et en fait, mon père? Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Je vais pas me laisser faire. Il faut que je me venge. Il a tué ma mère. Jenna, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Alors là, désolé papa, je dois rendre les comptes aux personnes que tu avais hackées. Quoi? Comment ça? Tu étais au courant? Oui papa, j'étais au courant. Sache que toi, maintenant, t'es devenu vieux et je t'ai suivi. Et tu sais quoi? La police arrive, elle va t'arrêter. Non, mais pourquoi? J'ai rien fait. Si, tu as tué ma mère, tu avais kidnappé ma meilleure amie et là, ton objectif c'était de tuer Bastien. Comment tu sais tout ça? J'ai fait tout ça pour toi. Alors s'il te plaît, venge-toi de ces méchants. Venge-toi des policiers. Non, c'est toi. On doit se venger de toi. Et je me venge de toi. À partir de maintenant, tu n'es plus mon père. Je te déteste. Quoi? Non, Jenna, ne me laisse pas seule. Jenna! La police arrive, papa. Enfin, pas mon papa. Le criminel de Brookhaven. Ah, ça y est. La police est là. Alors, il est où le criminel qu'on recherche depuis tant d'années? À l'intérieur, allez-y.
Merci beaucoup. Police, les mains en l'air. Oh non. Pauvre vieux. Et dire qu'il se prenait pour mon père. Diana, tu connais pas beaucoup de choses. Tu vas mourir toi aussi. Hein? Quoi? Comment ça mourir? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vas mourir d'une maladie très grave. C'est moi qui te l'a transmis. Pour que tu meurs vite. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais mourir. Tout va bien se passer. On vous rassure. Arrêtez. Non, il a raison. Sa maladie. Il m'a mis quelque chose à l'intérieur de mon cerveau. Il va me tuer. J'en suis sûre. Je suis désolée pour toi. Allez, on sort d'ici. Vite. Non. Oh non, c'est pas possible. Je vais envoyer un message, avant de mourir, aux utilisateurs de Roblox, de ne pas hacker, car vous pouvez tout perdre. Si vous hackez quelqu'un, ce sera fini pour vous. Donc s'il vous plaît, hackez personne, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, non.